Golden Century qui va commencer cette année sa deuxième saison de pouvoir des matchs. Tout près d'ici, hein, au moment où j'ai changé pour jouer, c'est bien marqué. Vous voyez déjà qu'il nous présente ici en main ce Golden Century qui va réussir à dénicher dans les rangs de chef 3 avec Adam Tour. C'est un fils, ça. C'est un fils d'El Prado. Alors, c'est important parce qu'il y a deux produits d'El Prado qui font la même en France. Les deux sont dans la région et les deux se sont présentés successivement car le deuxième, c'est le Spanish Moon, mais je vous disais François Bourguet en parler tout à l'heure. Il porte le numéro 21. Nous en sommes au 20 avec l'hôtel de Saint-Denis, donc un fils d'El Prado. El Prado qui a été une rareté dans sa vie puisque c'était un cheval gris et Saddle Swell, c'est Prado, excessivement rarement en gris, et c'est également le seul et unique prix de Saddle Swell qui a fait la vente, avec un gros succès d'ailleurs aux États-Unis. Saddle Swell, bien sûr, inonde, et maintenant, en tant que Galileo, inonde le parc des talents français et même plus vastement en Europe, mais par contre, il y a quasiment l'absence du parc des talents Saddle Swell aux États-Unis, et sauf à travers le truchement de El Prado qui est mort désormais.